Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme aujourd'hui pour réaliser un entraînement qui va vous défier aussi bien physiquement que mentalement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès à toutes nos vidéos. Allez, c'est parti pour l'échauffement. On va démarrer avec 2 rounds. On aura 30 secondes par mouvement. Le premier, ce sera des single leg glute bridge. On passera 30 secondes par côté. Si les single leg glute bridge sont trop difficiles, passez directement sur des glute bridge avec les deux jambes. Puis on va enchaîner avec 30 secondes de gainage sur les coudes et 30 secondes de glute bridge hold. Cette fois-ci, on mettra les deux pieds au sol et on décollera les fesses pendant 30 secondes. Après ça, on aura des air squats suivis immédiatement de glute bridge walk-up. On va venir lever les fesses, avancer les pieds et les reculer en gardant les fesses le plus haut possible. Enfin, dernier mouvement de notre échauffement, 30 secondes inchworm to push-up. Ok, l'échauffement est passé, on va pouvoir attaquer l'entraînement du jour. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, un vrai challenge, un défi mental et physique. Vous aurez besoin pour l'entraînement du jour d'une dumbbell. Tous les mouvements se feront à un bras. Premier mouvement aujourd'hui, 30 single dumbbell deadlift. Sur les deadlifts, on veillera à garder la dumbbell à l'extérieur des jambes. On changera de main toutes les 5 répétitions. Ensuite, on passera sur des single dumbbell crunch and swing. Également, on changera toutes les 5 répétitions. Troisième mouvement aujourd'hui, on attaque les squats, 30 goblet squats. Ici, on pourra attraper la dumbbell à deux bras devant pour réaliser nos squats. On gardera toujours la flexion de genou parce qu'on enchaîne avec 30 hang squat clean. Ici, on changera de bras à chaque répétition. Mouvement suivant, 30 dumbbell snatch. On changera également de bras à chaque répétition. Enfin, dernier mouvement pour aujourd'hui, 30 single dumbbell overhead squat. Ici, on aura la terre au-dessus de la tête pour réaliser un squat. Si c'est trop difficile, on passera en goblet squat. On reprendra la charge devant pour nos flexions. Enfin, la petite particularité de ce WOD, c'est que toutes les minutes, on va devoir réaliser 5 burpees. On commencera la première minute avec nos burpees et toutes les minutes, 5 burpees. Pour les débutants, vous pourrez réduire le burpee afin qu'il ne prenne pas plus de 20 secondes. Cela vous laisse donc 40 secondes pour bouger sur l'entraînement. Le time cap aujourd'hui, c'est 15 minutes. Il va falloir bouger vite, réaliser aux alentours des 15 répétitions par minute. Adaptez la charge en conséquence et les burpees. Je vous souhaite bon courage pour cet entraînement. Challengez-vous à fond et je vous dis à très vite.